À la mi-journée, ce mercredi, le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur les éléments de l'enquête après l'attentat de Strasbourg survenu mardi soir, mardi 11 décembre 2018. On va voir les éléments, c'est important, qu'il faut connaître par rapport à cette conférence. Eh bien, il faut savoir en première partie que la piste de l'attentat terroriste est confirmée. Je cite, le terrorisme a une nouvelle fois frappé notre territoire. A démarré donc Rémy Heitz lors de sa conférence de presse confirmant la piste djihadiste. Le procureur de la République de Paris a ensuite précisé que cette piste était retenue en raison du profil de l'assaillant, de son mode opératoire, du lieu ciblé et des témoignages selon lesquels Chérif C aurait crié « Allah Akbar ». Une enquête a été ouverte, une enquête en flagrance pour assassinat terroriste, tentative d'assassinat terroriste et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste a été donc ouverte par le parquet de Paris. Elle a été confiée à la sous-direction antiterroriste, à la direction centrale de la police judiciaire et la direction générale du renseignement intérieur. Sur le parcours de l'assaillant, eh bien, le procureur s'est également exprimé. Le procureur donc, de la République de Paris a retracé le parcours de Chérif C. Chérif C aurait ouvert le feu peu avant 20h au cœur du marché de Noël. Il aurait ensuite emprunté la rue des Grandes Arcades avant de déboucher à rue de Pont-Saint-Martin où il se serait engouffré dans un taxi. Dans les rues piétonnes du centre-ville de Strasbourg, il aurait ouvert le feu à plusieurs reprises, tirant notamment sur 4 militaires de l'opération Sentinelle en patrouille. Ces derniers ont riposté, blessant le suspect au bras. Et puis, il faut savoir que Chérif C a quitté le centre-ville de Strasbourg en taxi. C'est ce qu'a donc précisé le procureur. Il a indiqué au chauffeur de se diriger vers le quartier du Neuhof sans donner d'adresse précise, disant au taxi qu'il allait le guider. Le chauffeur a constaté qu'il était muni d'une arme de poing. L'assaillant aurait confirmé au taxi qu'il avait quelque chose à voir avec les événements du centre-ville de Strasbourg et aurait tenu des propos justifiant son passage à l'acte, a déclaré le procureur. Et à sa sortie du taxi, Chérif C aurait échangé des coups de feu avec des policiers avant de parvenir à s'enfuir une nouvelle fois. Et sur le bilan, Rémy Heitz a livré à la mi-journée un nouveau bilan. 2 personnes sont décédées dans l'attaque, une troisième est en état de mort cérébrale. Et l'attentat a également fait 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. Et sur les premiers éléments de l'enquête, eh bien, le procureur de Paris a confirmé qu'une opération visant à interpeller Chérif C avait été menée à son domicile mardi matin. Les forces de l'ordre, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour tentative d'assassinat, violence aggravée et association de malfaiteurs. À son domicile, mardi matin, les forces de l'ordre ont saisi une grenade défensive, un fusil 22 long rifle et 4 armes blanches, dont 2 couteaux de chasse. Après cette attaque, les enquêteurs ont procédé à plusieurs perquisitions dans des lieux que l'assaillant est susceptible de fréquenter, a indiqué Rémy Heitz. 4 de ses proches ont été placés en garde à vue dans la nuit. Concernant le profil de cette personne, le procureur de Paris a précisé qu'il était né le 24 février 1989 à Strasbourg. Il a dit, je cite, qu'il est très connu des services de police et judiciaires en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. C'est ce qu'a confirmé le magistrat. Il a fait l'objet de 27 condamnations pour des faits de droit commun, principalement des vols et des violences. Je cite, il a été incarcéré à de nombreuses reprises, a déclaré Rémy Heitz. Il était connu des services pour son prosélytisme et sa pratique religieuse radicale. Il figurait au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation en caractère terroriste, a été également fiché S depuis 2015. Il avait fait l'objet d'un suivi de la part de la DGS.
Voilà les informations assez importantes, en tout cas qu'il faut supplémentaires qu'il faut retenir après voilà cette attaque et cet événement tragique à Strasbourg. Vous pouvez intervenir, c'est une antenne libre sur ici et maintenant. Autre sujet toujours dans l'actualité, évidemment depuis son commencement, le mouvement des Gilets jaunes et cette question par rapport à l'acte 5 qui aura sans doute lieu ce samedi. Il faut savoir qu'il y a eu, voilà, de la part de certaines personnalités politiques, une demande d'arrêter pour un certain temps cette mobilisation et cette manifestation des Gilets jaunes, puisque apparemment les forces de l'ordre sont fatiguées. Et oui, c'est quelques déclarations qu'ont faites des personnalités politiques dans l'actualité aujourd'hui. On va essayer de retrouver ces extraits audio et vous allez pouvoir aussi nous dire ce que vous en avez pensé de ces voilà, de cette demande d'arrêter les manifestations. Pour quelles raisons? Eh bien, puisque les policiers sont fatigués. On va voir voilà toutes ces informations ensemble avec des extraits audio qui vont nous accompagner. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir dès maintenant en composant le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20.